suis venue dans le cadre du dépistage faire une mammographie. Alors surtout, restez bien relâchés, bien décontractés, ça me permet de tirer davantage le sein. Je crois que la toute première fois quand je suis venue, c'est dans le cadre de dépistage que j'ai reçu à la maison. Et donc j'ai répondu. Voilà. Avec toujours la petite appréhension de... du résultat. On bénéficie vraiment d'un système de santé qui est très important et qu'on aurait tort, si on a un doute, de ne pas aller justement faire une mammographie. Elle m'a dit, mais tu m'angoisses et tout. J'ai dit, non, non, j'ai dit, moi, ça va me soulager. Va la faire pour me faire plaisir. Elle est allée et après, elle m'a envoyé un texto. Elle dit, j'ai rien. Et j'étais heureuse et tout. Ah ouais, je me prends en charge. Donc, mais il n'y a pas de problème. Ça fait pas mal, il n'y a pas d'appréhension. Faut pas. On est des grandes filles. Ne respirez plus. On se prend en charge. Ne pas fuir devant la peur. Je sais pas, vous avez dans la vie, on a des enfants, des petits-enfants, de la famille. C'est important qu'on soit là. Donc je pense que vis-à-vis d'eux, c'est une responsabilité pour chaque femme. Eh bien, qu'on a pris de l'âge et qu'on a des possibilités d'être malade. Et qu'on va essayer d'éviter tous les ennuis de traitement dû à un dépistage un peu trop tardif. De façon générale, les patientes qui ont un dépistage qui se font suivre, on va trouver des plus petites tumeurs, de meilleurs pronostics, et on ne peut que inciter tout le monde à faire le dépistage. Sachant qu'il n'y a aucun point d'appel, pas de douleur, rien, effectivement, la mammographie est quand même un élément hyper important. Le médecin, la personne qui nous fait passer la radio, tout le monde est très attentif à nous. Et donc, ça ne fait pas mal, il ne faut pas craindre rien du tout et tout va bien. C'est notre vie qui est en jeu. Notre vie, notre santé, notre bien-être. Donc, je pense que c'est avant tout pour soi et c'est vrai, prendre soin de soi. On est la colonne vertébrale de l'équilibre d'une famille. Et du coup, ben, voilà, il faut quand même vérifier la machine, quoi, de temps en temps. À un moment donné, c'est quand même une responsabilité d'avoir des enfants. Parce que les enfants qui vivent le cancer, ils le vivent aussi. Hein. C'est difficile. C'est pas un examen qui est très agréable, la mammographie, mais ça dure pas longtemps et ça rassure. Et voilà. Il faut le faire. Quand on vient, on pense qu'on n'a rien, mais il y a toujours derrière une petite appréhension. Quand le médecin vient nous dire que tout va bien, eh bien, on est soulagé. Ah bah c'est génial. Ah ouais, non mais c'est sûr que c'est une bonne nouvelle parce que c'est une délivrance. Et moi à l'époque encore, ma mère n'était pas encore concernée par ce problème. Donc après on se dit ouais, ça me touchera pas. Mais bon, quand on est touché après, c'est vrai qu'on voit les choses différemment. Ouais, bah on a peur, ouais. Puisque ce sont des maladies sournoises qu'on détecte souvent quand il est un peu tard. Une fois qu'on sait, bon ben là c'est bon, il n'y a rien. Alors là c'est le bonheur. On sort presque en courant du cabinet. On aurait envie d'aller boire une bouteille de champagne. Faut pas jouer les petites filles qui se cachent derrière un crayon, non, non. Voilà, donc tout va bien, pas de soucis. La vie elle est comme ça, elle est réelle. Il y a des problèmes. Donc, faut éviter.